Bonjour tout le monde. Je vous ai quitté bizarrement, hein. Je vous ai même pas dit au revoir déjà. Je pense pas en fait que je filme. J'ai été habituée l'année passée de filmer, et là je pense pas. J'ai mis mes chaussettes de Noël. Je m'excuse de pas vous avoir dit au revoir hier. Je suis malade encore et encore. Je me suis fait un cacao chaud. On va faire les calendriers de l'Avent et peut-être l'après-midi, je vous montrerai mes produits terminés. Cottage. Vraiment, ce calendrier-là est très cool, à part, comme je dis, les produits sont très petits. Attendez, on est quel jour? On est déjà le 5? Oh, il reste 20 jours avant que ce soit Noël. Ça va me plaire. Douce guimauve sweet marshmallow. J'aime beaucoup. Max and More. Je pense pas que l'année prochaine je vais le prendre. Numéro 5, nous avons eu une lime à ongles. Alors oui, c'est bien, mais voilà quoi. Je dis plus rien. Le calendrier spa. Nous avons un savon. Il n'y a pas d'odeur. Ou alors c'est très très naturel. Le Blissim. Franchement, le Blissim, je découvre tellement de marques, que ça soit My Little Box, Blissim, Gloria. Comme je vous ai dit au tout début de mon Vlogmas, le premier ou le deux, je pense, je n'ai pas pris le Gloria. Le Gloria, on m'a dit qu'il était super chouette, mais le My Little Box, pas trop. Mais si vous voulez, l'année prochaine, j'en vous prendrai une dizaine de calendriers. J'essaierai aussi de me organiser pour les Vlogmas pour pas qu'on s'ennuie non plus. Cette année-ci, on va faire comme je peux. Numéro 5, on a une grande casse. Le Garancia Paris, le pouvoir de la science et de la nature en deux coups de baguette. La crème, des nettoyants, démaquillants, visage et yeux, anti-actifs, anti-tiraillement, plus anti-âge. Incroyable crème fondante au rose d'antan. Oh, j'adore. Parce que le nettoyage de la peau est l'alpha, l'oméga de la beauté. Il faut sélectionner le meilleur des démaquillants pour sa peau. Plus qu'un démaquillant, choisissez un démaquillant soin qui respecte le film hydro, l'eau lipidique et vous apporte des actifs apaisants, anti-âge qui aideront jour après jour à limiter la perte de collagène et l'élasticité. Le laboratoire Garancia a développé le Softkin, une association de beurre fondant de cacao, de cire d'abeille et des eaux florales de rose avec un actif breveté extrait de l'algue Ultra Lactuca aux propriétés anti-âge vectorisées dans les feuilles d'argile Montronolonite, diminution significative de l'apparence des rides, surface et volume de avant et après. On le testera sûrement, peut-être pas dans les Vlogmas car j'ai encore le The Body Shop et j'ai pas envie d'ouvrir tout d'un coup. Et si on prenait d'abord la 15 numéro 5 de chez Rituals et qu'on terminait par celui de ma meilleure amie aujourd'hui. Où est le 5? En fait, il est dans l'arbre. Si vous voulez réutiliser le calendrier de l'Avent pour votre copain, copine, pour l'année prochaine, c'est chouette. Oh, on a un bon format. The Rituals of Mer. J'aime beaucoup cette gamme-ci en été. C'est un gel douche en forme de l'huile et c'est nourrissant à 75 ml. Le numéro 5. Numéro 5. J'aime pas ces emballages-là, j'arrive pas. Ah si, j'ai rien dit. Un liquide lips duo, mat et métal. Nude d'amour, liquide lips duo. Mais je comprends pas. Je vais pas mettre ça sur mes lèvres. Parce que lips, c'est lèvres, non? Ou alors c'est pour faire les deux. Ah oui. Je pense. Alors, je vous explique. Je pense. Hein. Alors, on a un côté exprès pour les yeux et un côté pour la bouche. Oh, trop beau. J'aime beaucoup. Ça change. En vrai, c'est pas mal. Vous partez dans un hôtel ou un week-end quelque part et que vous voulez pas prendre tous vos maquillages. Moi, j'aime bien les produits
deux en un, c'est chouette, c'est bien pensé. Je vais ranger le reste, prendre mon déjeuner et on se retrouvera tantôt pour les produits terminés. Je vais vous montrer mes produits terminés. Pourquoi je tiens le micro? Tout simplement parce que j'ai un col roulé. L'année 2024 peut commencer. Déodorant de la marque Sien, c'est vegan, pur et fraîche. Longue tenue, zéro aluminium, ça c'est chouette. C'est un déodorant de 24 heures, ça va, il sent très bon. Mais il n'y a rien de plus, ça va pas tenir sous votre aisselle. Pour dépanner, pourquoi pas. L'Oréal Paris Elsève Nutri Gloss Luminizer. Shampoing, cheveux ternes, haute brillance avec citrique, acide, brillance, sensationnel, toucher soyeux. En vrai, ça va, mes cheveux sont doux, mais pas encore si doux qu'ils devraient être. Il y a des produits qui ont pris la poussière car ça fait longtemps que je les ai. Nous avons de chez My Little Beauté Clean Baby Gel Nettoyant pour teint éclatant. Je pense que je l'ai utilisé sur mes pinceaux, mais ça date depuis très longtemps. Je me rappelle plus. Je suppose que je suis pas allergique au nettoyant, mais que le nettoyant CeraVe me va mieux pour ma peau que les autres nettoyants. Les autres nettoyants me font énormément de boutons. Ça fait pas longtemps que j'ai repris CeraVe, je crois que ça fait qu'une semaine. J'avais déjà vu une différence quand j'ai commencé CeraVe. Normalement, je devais vous faire une vidéo complète. Une très jolie marque avec de bons produits. Mais pourtant, j'avais des nettoyants Estée Lauder. Terminé hier de la marque Swarovski Glisse et Repair. Un spray anti-nœuds, cheveux secs, abîmés. Je le reprends à chaque fois. Ils démêlent très bien, ils sont super bons. Un blush de chez Shiglam. La teinte Business. J'ai adoré, j'adore les blushs de chez Shiglam. Celui que je porte, c'est aussi Shiglam de la marque Origins. C'est mousse nettoyante pour le visage. J'ai adoré aussi. Chez Guess, j'ai terminé le parfum séductif. Il sent super bon. J'irai le acheter. Un panda thé, liberté, parfum rose jasmin. Il était bien. Le Garnier Fructis, masque nutrition intense, 7 fois plus nutrition. Je trouve que ce masque-là, il est top. Il me démêle vraiment bien les cheveux. Mes cheveux sont super doux. Je le reprendrai, je l'ai déjà dans mon stock. Le L'Oréal Paris LCF Hydra Hyaluronique, shampoing hydré et hydratant. Acide hyaluronique gorge les cheveux d'une hydratation durable. Alors j'adore cette gamme-ci. J'aimerais bien tester la blanche. Je vous montrerai en photo laquelle je parle. Garancia Paris, l'appel de la forêt. Poudre magique, éclat et jeunesse. 10% vitamine C pure plus collagène végétal. Je ne l'ai pas utilisé en mélangeant mon sérum. Je l'ai utilisé pour faire une poudre libre. J'ai testé, c'est chez Action. C'est le Switzer Booster Banana. C'est des sérums à banane, fraise et je ne sais plus c'est quoi l'autre. Quand j'applique sur mes cheveux, c'était jaune. Si j'en ai encore un à tester. Mais je trouve qu'ils ont rien fait sur mes cheveux, il n'y a pas de différence. Cosmétiques bio, boutique nature, eau micellaire à l'eau de rose et à l'aloe vera bio, nettoie et démaquille en douceur. Bah, comme vous pouvez le constater, je ne l'ai pas terminé car je trouve qu'il n'est pas ouf, il démaquille vraiment pas comme il faut. À ce moment-là, je préfère mettre 15 euros sur une huile démaquillante de chez The Body Shop. Unlimited Mascara Lift, je pense que je l'ai aimé. Je me rappelle plus, ça remonte il y a longtemps. Huggins, le gel nettoyant visage élixir. Pas ouf quoi, c'était plus pour... Mais passons à un nettoyant de chez Estée Lauder. Idéal pour les peaux normales à mix. Je l'ai utilisé pour mes pinceaux et mes beauty blenders. Le spray fixateur de chez Max & More. Je le reprends et je le reprends à chaque fois. Pareil avec la base Max & More. Je la reprends à chaque fois. Une crème de chez Caudalie. Crème cachemire redensifiante. Je crois que je l'avais pas terminé. Si je l'avais terminé, mais j'ai pas voulu terminer le reste. Use the People, c'est Kali plus Green Tea, Vitamine, c'est un nettoyant. Aussi pour mes beauty blenders et pinceaux. De chez Bioderma, Créaline H2O, eau micellaire démaquillant, nettoie peste, peau sensible, visage et yeux à 500 ml. J'ai adoré, ça nettoie mieux que celle que je vous ai présentée. Je l'ai encore dans mes box, je serais contente car elle m'a quand même bien démaquillée. Après le waterproof, non, mais bon, c'est déjà bien qu'elle démaquille quand même bien. Déception, ou alors peut-être pour l'été, mais je pense pas. Le bronzer de chez Max & More, le Sun Kit Set Glow, celui-ci,
une mini glow, mais quand je l'applique en bronzer comme ça, c'est trop pailleté et je trouve que ça fait une tache. Après, peut-être en été, quand vous avez une peau bien bronzée, mais moi, je ne l'utiliserai pas car c'est pas mon genre. Quand je le mets là, c'est vraiment pas beau. Chez Rituals, le Off Sakura, donc c'est un spray pour corps et cheveux. Comme toujours, c'est une pépite. Catrice Cosmétique, un fond de teint en teinte 0,10. Il était trop clair, donc je l'ai racheté un peu plus foncé. Celui-ci, c'est ma belle-sœur, me l'avait donné car elle se maquille presque plus. Je l'ai gardé et j'adore la marque Catrice. Le Herborian, c'est une CC crème à la Centella Asiatica, soin illuminateur du visage haute définition, perfecteur de peau. Donc en teinte dorée, cette teinte-ci, c'est bien pour l'été quand vous avez bien bronzé. Mais la teinte nude, je l'ai commandée. Normalement, je dois la recevoir, mais je pense pas. Vous n'avez pas envie de mettre un fond de teint ou quelque chose de couvrant. Ça, ça camoufle les imperfections, mais ça camoufle bien. Ça fait très naturel. Je vous ai déjà en parlé plein de fois. Et si vous voulez voir, normalement, je me suis maquillée avec dans mes vlogs quand je suis partie en vacances il y a 2 ans à la mer à Blankenberg. Et j'avais mis ça car je l'avais acheté là-bas. Ma crème hydratante SPF 30 de chez CeraVe, je l'ai terminée, mais à stock, hein. Je dois refaire mes réserves. Concealer de Max & More, je trouve qu'il m'assèche un peu les cernes, donc pour l'instant je ne l'utilise plus, mais là je l'ai terminé. De chez Essence, le bronze. J'ai terminé mon bronzer. Vous allez me dire, mais pourquoi tu n'utilises pas les deux autres? Les deux autres, je n'aime pas. Ils sont beaucoup trop clairs pour moi, et celui du milieu est beaucoup trop brillant, un peu comme celui de chez Max & More. Encore un fond de teint de chez Catrice Cosmétiques, en teinte 0,30, beige, et je l'ai repris un peu plus foncé. En été, j'ai la peau plus foncée qu'en hiver, bah, comme tout le monde. Cette année, j'ai pas été en vacances, donc j'ai vraiment pas bronzé. The Body Shop Camomille, beurre démaquillant sublime. Il enlève le waterproof. Je l'ai eu dans une box beauté, et je l'ai racheté en format plus grand. Je rachète tout le temps mes démaquillants, mes baumes démaquillants chez The Body Shop. Mon baume démaquillant préféré, c'est celui de chez The Body Shop. Il y a aussi l'huile démaquillante de chez Caudalie qui marche très très bien. Il reste 3 petites choses, c'est des bougies de la marque Space. C'est le cake vanille. Alors je vous dis clairement, ça n'a rien senti du tout. La deuxième, c'est Berry Cocktail. C'est la marque Space. Ça n'a rien senti du tout non plus. C'est la même, oui c'est la même, mais en plus grand que j'avais depuis longtemps. C'est ma maman qui me l'avait donné, je pense, mais je les ai terminées, mais ça sentait pas quoi. Je suis en train de commencer celle à la cannelle et à la pomme. Hier je l'ai mis à brûler, je ne trouve pas qu'elle sent. Je suis malade, peut-être que c'est ça, parce que comme j'ai mon nez un peu bouché, peut-être pour ça qu'elles ne sentent pas, mais je sais que ceux que je vous ai montrés, elles ne sentent pas du tout. C'est des bougies grande surface. Si vous voulez vraiment qu'ils sentent, Rituals, Yoke Candle, ou alors ceux avec les mèches en bois, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est aussi des bougies qui sont bien. Moi, je l'ai pris parce que c'était l'hiver, c'était Noël, c'était vraiment très cocooning, et voilà, c'est pour ça. J'espère que mes produits terminés vous auront plu. J'ai oublié de vous montrer, j'avais un gel douche Nivea. Il est bien, mais il est à la poubelle. Et là, j'ai commencé un nouveau, mais un litre, je pense, de gel douche, ou un peu moins. Et j'ai adoré aussi. Il est 14h30. Mon chéri va revenir plutôt vers 15h30 parce qu'il est malade. Il va aller chez le docteur voir ce qu'il a, car il est vraiment pas bien. Préparer un poulet croquant, frites, salade de base. Mais moi, ce sera poulet croquant pour moi, frites avec mon chéri aussi. Et le légume, il n'y a que moi qui en mange, donc je mettrai des haricots à la place. Et encore désolée que mes vlogmas sont très courts. J'espère que celle-ci sera un peu plus longue que d'habitude. Mais on a d'autres choses qu'on va faire. C'est plus les week-ends qu'on sort. Ce week-end-ci, je ne sais pas si on va partir, mais je vous le dirai de toute façon. Je vous montrerai. Mais on va faire des marchés de Noël pleins. Et on a pour idée d'aller à Amsterdam. J'aimerais bien, surtout que c'est la période de Noël, ça doit être pas mal, ça doit être super décoré. Bon, c'est pas Londres ou New York. Ah, ça aussi, j'aimerais trop. Je vous le promets, on fera des vlogmas, soit à Londres ou à New York. Je vous le promets, c'est ma 2e année de vlogmas, mais ça va continuer chaque année. J'espère que ma vidéo vous aura plu.
On se retrouve demain pour ouvrir la case numéro 6 des calendriers de